Good morgen, allez, Iden, les tuyaux aujourd'hui, le Lunish, Maître Ramim Ben Rosa, Chaya Batova, ainsi que le Rufo Atrefel, Zabrun Ben Chaymanir, Miram Batrasila, Dov Ben Yudit, et Sarah Batbetir, le Kabetor Chakolessal, si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Côté 5 minutes éternelles, et nous étions à Sechet Bechorot, Perigvet, Mishnah Gimel. Kol Shekadam Hegdeshan et Mouman, O Moum Over le Hegdeshan, Lachar Mikan, ou Lachar Mikan, Nolad la Moum Kavua Venivdu, Turim, Mina Bechora, Mina Matanot, cette Mishnah est la réciproque de la Mishnah précédente, qu'on apprenait en plus de ça à Rosh Chodesh Elul. C'est la Mishnah de Choulin, Perek Yud, Mishnah Bet. Et on explique très rapidement ce qui se passe. On a déjà tout expliqué hier, mais on reprend encore de nouveau. On parle ici d'un animal qui était Kadosh. Elle était sanctifiée comme il se doit. J'avais un animal, j'ai décidé d'en faire un shlamim, une ola. Et puis ensuite, j'ai pas le temps de l'apporter au Bédomidash qu'il a eu un défaut. Il s'est fêlé la lèvre, il s'est doukin shabayin, des petites peaux qui lui sont sorties sur l'œil. Comme tout ce qu'on apprendra dans Prorot Bezrat Hashem, on apprendra longuement quels sont les défauts qui invalident un corban. Donc à présent, je dois. L'animal il garde une certaine. Il garde sa gdoucha pour le moment. Je dois maintenant apporter un animal pour transférer la gdoucha de l'un sur l'autre. C'est la lacha, comme ça je dois faire. Et j'apporterai l'autre corban en corban. Tandis que celui-ci, il va devenir choulin, il va devenir profane. Lorsqu'il va devenir profane, parce qu'une fois il a été apte à monter sur le misbéach, et qu'après il a été invalidé, eh bien il va garder plusieurs restrictions. Je serai limité dans l'utilisation que je pourrai en faire. Et la Mishnah va nous apprendre justement quelles sont ses restrictions. Auparavant, la Mishnah va me préciser qu'il y a deux cas de figure en réalité. On a parlé du cas où l'animal il a été sanctifié comme il se doit et qu'après il a eu un défaut. Mais en fait, la Mishnah va même inclure aussi un deuxième cas. Le cas où il avait un défaut provisoire, que pour le moment, en l'état, je ne peux pas l'apporter au Beit HaMikdash, mais que c'est prévu que ce défaut va passer. Et que ce défaut finalement n'a pas eu le temps de passer, qu'il a eu un autre défaut beaucoup plus fixe qui lui est tombé dessus. Donc du coup, l'animal, il est devenu invalidé totalement. Mais en tout cas, il s'avère que lorsque je l'ai sanctifié, il a pris la gdoucha maximale. Et de ce fait, lorsque je vais transférer la gdoucha sur un autre animal, eh bien, il va quand même garder un certain niveau de gdoucha. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. « Kol shekadam hekdeshanu et mouman » Tout korban qui a eu un hekdesh, il a été sanctifié avant shekadam, il a devancé sa gdoucha le défaut. C'est-à-dire, il a eu la gdoucha avant d'avoir le défaut. Ou encore, omum over le hegdeshan. Ou encore, il avait initialement un mum over, un défaut provisoire, qui est censé être réparable, quand il est devenu kadosh. Ou le achar mikan. Mais après cela, après qu'il a sanctifié, nolad lahem mum kavua. Il a eu un défaut fixe, venifdu. Et ils ont, tous ces corbanotes ont été rachetés. Donc, la Mishnah va m'enseigner, sache que tu es très restreint dans les droits d'utilisation, même dans la lachot qui vont découler. C'est ton animal, mais c'est pas vraiment ton animal. C'est ton animal pour le consommer, mais tu peux pas en faire tout ce que tu veux. En l'occurrence, Pturin, Mina Bechora ou Mina Matanot. Ils seront dispensés de la Bechora. C'est-à-dire, si c'était une brebis que tu as sanctifiée, tu en as fait un corban shlamim, tu vas en faire un corban shlamim, et puis après, elle a eu un défaut. Tu vas transférer la gdoucha. Et puis ensuite, cette brebis, elle a grandi et elle a mis bas un nouveau-né. Eh bien, le nouveau-né, ce nouveau-né-là, n'aura pas de gdouchat bechor. Il ne sera pas ton mina bechora. Au mina matanot aussi, tu seras dispensé de donner les matanot, les fameux dons à faire au Kohen lorsqu'on mange un animal profane, zora, lechaïm, ekeiva, le bras, l'estomac et la mâchoire. Ve'edan yotzin lecholin ligazez ou le'aved. Et même lorsque tu vas les racheter, eh bien, ils ne viendront pas profanes au point où tu pourras profiter du les gazèzes pour les tondre, ou les haved, et de te servir d'eux pour travailler. C'est-à-dire, tu ne pourras pas en faire de travaux, et tu ne pourras même pas profiter de la laine. Tu auras le droit de manger la viande, mais tu n'auras pas le droit de profiter des tontes de la laine. Et même si c'était un taureau, tu ne pourras même pas l'utiliser pour labourer ton champ. Ou vladan vachalavan asur. Et leurs petits et leur lait sont interdits. Alors là, on met le zoom dans la mission précédente,
j'ai passé un petit peu l'histoire, parce que là, il faut mieux comprendre de quoi on parle exactement. C'est expliqué dans le Barthénora, bien sûr, dans Maseret Roulin. Ici, le Barthénora n'a pas parlé, il nous renvoie directement là-bas. On parle de quoi? On parle, il faut bien comprendre. Une fois que j'ai... La Mishnah semble me dire qu'en réalité, lorsque tu vas le libérer de sa mucha, tu vas le transférer sur un autre animal. La Mishnah semble me dire que leurs petits seront interdits à la consommation et leur lait sera interdit à la consommation. C'est pas vrai. Le lait et les petits seront permis à la consommation, mais à une condition. Qu'ils ont commencé à fournir leur lait ou leur petit, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte, après avoir été libérée sa mucha. Mais si, pendant qu'elle était encore kdosha, elle est tombée enceinte, elle a commencé à avoir un... D'accord, elle est enceinte, ou encore elle a commencé à produire du lait, elle avait du lait à l'intérieur d'elle, et qu'après je transfère la kdusha, eh bien le petit qui va naître, ou le lait que je vais tirer, seront interdits à la consommation parce qu'ils sont kadosh. D'accord, ça appartient au Hevidash. Donc, Vladan Vechalavan Asur Lechar Pidyonan, après les avoir achetés, c'est-à-dire s'ils ont commencé à être amorcé avant d'avoir été racheté, et puis qu'après je les ai rachetés, qu'après ils ont mis bas ou qu'après j'ai trait le lait, là ce lait sera interdit. Veashochatan bachutz chayav. Et aussi, celui qui va leur faire la shrita, donc là on parle, excusez-moi, il y a le shochatan bachutz, on parle de l'interdit de shrutechutz. Shrutechutz, c'est un animal qui doit monter sur le misbéach. Eh bien, si je le fais à l'extérieur du Ben et du Misbéach, je transgresse l'interdit de Shrutechutz. C'est une grande règle. D'accord? Et de là, il y a un petit problème sur la Mishnah. Je m'explique. Shrutechutz, dont je vous ai dit, un korban, shlamim, je dois le porter au Beth Amigdash. Et si je le fais à l'extérieur du Beth Amigdash, je transgresse l'interdit de Shrutechutz. Or, il y a une règle dans Shrutechutz qui implique que je ne suis chayav à l'extérieur du Beth Amigdash que si ce même korban il pouvait monter sur le Misbéach. Or là, on a un problème. Puisqu'on parle d'un animal qui a un défaut. Donc, s'il a un défaut, je ne pouvais pas le faire monter sur le misbéach. Et comment ça se fait dans celle-là que si je l'égorge à l'extérieur du Beth Amikdash, je vais être chayav? Il y a ici un problème. Et sur ça, la réponse, elle est, ça nous réfère à Zvachim, on ne va pas trop allonger, mais je vous rappelle très rapidement le principe. On avait appris dans Zvachim le dîn des olim. Il y a une halakha très particulière dans les korbanot, qu'il y a des korbanot qu'a priori tu ne dois pas les faire. Mais si, a posteriori, tu les as égorgés, tu les as fait monter sur le misbéach, eh bien, on les laissera brûler là-haut et on ne va pas les redescendre. Il y a certains défauts, en l'occurrence. Selon le cas, il y a des défauts tellement importants que même si le Kohen n'a pas fait attention, il a pris le korban, il a fait monter sur le misbéach, eh bien, on va dire, non, on va aller chercher et redescends-le. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de faire brûler ce korban. Tandis que certains défauts, comme par exemple ce qu'on appelle dukin shebein, des petites peaux qui vont lui sortir dans l'œil, ça invalide le korban, ça monte fixe. Mais malgré tout, a posteriori, si on a commencé à brûler le korban sur le misbéach, on l'a fait monter, eh bien on ne le redescendra pas. On le laissera, parce que le misbéach, mekedesh, kol majolin, c'était tout un sujet qu'on apprenait dans Zvachim, vers la fin de Zvachim, je ne sais pas exactement quel pérec, en tout cas c'est après là-bas. Olin. D'accord? Et alors maintenant, la Mishnah vient me parler de ça exactement. Puisqu'a posteriori, lorsque le korban il monte sur le misbéach, on ne va pas le redescendre, eh bien, par rapport à ce korban, on va quand même transgresser l'interdit de shrute chutz. C'est ce que la Mishnah m'enseigne, en me disant, shortan bachutz chayav, celui qui va l'égorger à l'extérieur, il sera chayav, on parle spécifiquement qu'il y avait un petit défaut que, a posteriori, on ne va pas le redescendre du korban. Idem encore avec Ve'osin Tmura, et aussi puisqu'il a une gdusha, ce korban, il a une gdusha intrinsèque, forte, eh bien, si tu vas prendre un animal, tu vas le substituer, comme c'est la halakha de Tmura que je ne préfère pas rentrer dedans, j'ai pas assez d'assurance tant que j'ai pas étudié Tmura, donc je préfère pas trop parler. Mais en tout cas, si tu vas porter maintenant un animal et tu vas le substituer, sache que cette fois-ci, la Kedusha, elle va concerner aussi le nouveau Korban, le nouvel animal, à la différence du cas où il y avait le défaut avant le Hekdesh. Vimetu ikaveru, et si toutefois il meurt alors que tu as plus le temps de leur faire la Shrita, eh bien, il n'y a plus rien à faire, il faudra les enterrer. Tu ne pourras pas tirer profit pour les donner à manger aux chiens parce que la Torah a permis de manger un tel korban que finalement est invalidé et que tu as transféré à la Kedusha, la Torah t'a permis de le manger si tu veux, mais pas de le donner à manger au chien, en l'occurrence. Si les morceaux en shrita, t'as plus rien à faire, donc tu dois l'enterrer. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov, salam.